الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله nous régale l'occasion pour notre présence dans la leçon ici, la leçon qui nous fait faire concernant l'apportage. Tout d'abord, je présente mes excuses pour la semaine passée. Moi, je suis venu en route, l'auto est en panne, pas qu'à faire autrement. Inch'Allah, nous gagnons savoir pour ça. Nous n'y sommes, c'était venu ici, même celui qui nous dérangeait de venir. Allah Ta'ala récompense eux, Allah récompense nous, de dunya et d'akhirat. Alors, dans nos premières leçons, je t'explique concernant l'héritage d'après l'islam. Alors, qui Coran India, qui Hadith India, c'était une introduction concernant l'héritage. Et qui fait lien important pour apprendre ça, qui fait lien important pour appliquer ça, nous t'y étudier tout ça. Ça, recording là, il est disponible au Facebook, au YouTube, donc, vous êtes capable de référer à nous, première leçon, si jamais, ou pas encore écouter, ou pas encore suivre. Maintenant, notre deuxième leçon aujourd'hui, c'est, le sujet, c'est faire l'importance d'un vivant. Un dimon, quand il est encore vivant, dans ce vivant, il fait l'apportage. Et semaine passée, j'ai fini d'expliquer que quand un démon peut faire l'apportage dans le vivant, ce n'est pas vraiment inheritance. Ce n'est pas concerné le chapitre de Al-Fara'id. Ce n'est pas concerné le chapitre de l'héritage dans l'islam. Quand un démon, dans ce vivant, il peut faire l'apportage, les considérer comme hiba. Les considérer comme hiba. Et hiba, c'est quoi? Hiba veut dire un présent, comme un présent, un cadeau qu'il peut donner. Alors, mais seulement, il n'est pas aussi simple que ça, comme on nous pensait, qu'on prend quelque chose-là, terrain-là, maison-là, on donne-les à vos enfants, on finit faire hiba, hiba, ok. Non, il y a certaines bonnes conditions qui est important pour nous respecter, et c'est ça même, ben la loi là, ben condition là, qui nous pourra prendre à ce type. Et, nous besoin rappel que ce qui nous pourra prendre concernant Hiba, n'est pas concerne juste la portage du bien, qu'on peut faire de vivant. Il concerne tout quelque chose qu'on peut donner comme présent, qu'on peut donner, qu'on peut recevoir. Alors, parfois, on peut donner présent, ou bien nous peut recevoir un présent, mais nous pas gagner droit à faire lui. Nous pas gagner droit à recevoir sa présent là. Parfois, c'est un cadeau, les haram, nous pas gagner droit à prendre. Par exemple, vous connaissez un monde, ce qu'il peut de nous là, l'une coquin. C'est une affaire volée, l'une coquin, l'une amenée. Alors, nous disons, ben, moi, peut gagner ça, mon nez prend lui, non, pas gagner droit à prendre. Alors, il y a une condition qu'il peut étudier aujourd'hui, Inch'Allah. Mais avant tout, nous guettons dans nos livres, nous, toujours, nous pouvons suivre nos livres, page 13. Faire l'apportage d'un vivant. Alors, dans le livre-là, il a mentionné la loi charia concernant l'apportage du bien qu'une personne fait de son vivant avant son maradoul maut. Ça, c'est un terme important, maradoul maut. Maradoul maut, c'est sa maladie dans qui une personne gagne sur la mort. Alors, il y a une footnote là-bas même.
dans la même page, dans une footnote, il y a un coup de footnote. Là, nous essayons d'expliquer c'est quoi Maradoul Maut. Mais nous, là, nous avons écrit beaucoup là, Maradoul Maut. Ici, nous essayons, comment dire, simplifier Maradoul Maut. Maradoul Maut, c'est la maladie dans laquelle une personne gagne sur la mort. C'est-à-dire, une personne, il y en a pour gagner sur la mort, sa dernière maladie qu'il y gagne là, et ça même, après cause sur la mort, il gagne sur la mort, on appelle ça Maradoul Maut, et sa maladie-là, il gagne de telle façon qu'il rend la personne incapable pour accomplir ce bon travail nécessaire. Il n'y a pas qu'à lever, il n'y a pas qu'à travailler, pour faire pas qu'à sortir, tout ça. Ça, c'est Maradoul Maut. Alors, quand on peut faire l'importance d'un vivant, il est important pour finir faire dire avant arrive ça Maradoul Maut là. Sinon, ben, les autres la loi appliquée qui proviennent vers la fin de nos sessions aujourd'hui. Le temps qui est encore bien, finit faire dire. Allah Hazrat Imam Ahmed Raza Khan, Rahimahullah Ta'ala, a expliqué qu'il peut une maladie être considérée comme Maradoul Maut. Ça a deux conditions suivantes là, il y a pourtant, il y a tous les deux conditions. Si peine à un là-dedans, veut dire sa maladie là n'est pas Maradoul Maut. Première condition, maladie là, est de telle intensité qui ça fait à la personne malade, gagne une foule pensée, ralib gouban, déjà ça en ourdou, d'avant les fêtes en ourdou, bahari shariat, cela on trouve ralib gouban là-bas. Alors, la personne malade gagne une faute pensée, conviction qu'il est pour mort dans sa maladie là. Parfois, une dimoune est tellement malade qu'il fait une pensée qui est une faute pensée, veut dire plus que 50%. Il pense qu'il y a assez de poumons. Il est pour mort à ce terme. Alors, sa première condition. Donc, si une dimoune, par exemple, est malade, mais il dit peut-être 30%, 40%, les poumons. Donc là, il n'y a pas Maradoul Maut. Deuxième condition, la mort du défunt, ou bien défunte, il est attaché avec sa faute pensée-là. C'est-à-dire, ce timon-là, sa personne malade-là, il y a sa pensée, faute pensée-là, qui dit, c'est un poumon même, c'est un poumon, pas pour échapper, mon poumon même. Et vraiment les mots. Il est possible l'inmort quand l'inmort, il n'est pas mort à cause de sa maladie là. L'inmort, par exemple, d'un accident. Mais seulement, l'itchéna, sa pensée là, qui d'après sa maladie là, il peut gagner sur la mort. Donc, vraiment, il gagne sur la mort. Alors, Allah Hazret explique qu'il nous traduit ici, c'est traduit, dit, malgré qu'il n'a pas fait une mort à cause de sa maladie là, mais à cause d'une autre raison. Donc, un dimoun, quand il arrive de ce niveau-là, quand il y a une faute pensée qui a servi à l'ébouman, qu'il est pour mort même à ce terme, et arrivé vraiment à l'ébouman, donc, sa maladie-là, nous appelons ça Maradoul Maut, et là, l'importance qu'il fait dans ça, l'époque de Maradoul Maut-là, là, ce sont la loi pour différent. Et deuxième chose, comment vous connaissez une maladie, le Maradoul Maut, ou bien le pas Maradoul Maut, c'est faut des dimoun là, mort. Faut des dimoun. Quand il finit, il est là, il est un mufti, il vous dit oui, c'était Maradoul Maut. Alors, Maradoul Maut, vous connaissez peut-être des compliqués. Ben, la main écrit beaucoup l'eau là. Devant les fatawa, mufti Azam Hin, même à la Hazrat, fatawa Razviya, tout ça, il écrit beaucoup. Et peut-être qu'il est un peu difficile, mais c'est 6 pour dire qu'il y en a ça aussi dans. Dans sa bande Massaïl, fait la portance d'un vivant là. Donc, si demain arrive un quelque chose comme ça, un timon, il est malade, et dans sa maladie la même, sa période de maladie la même, il est arrivé, il fait la portance d'un vivant, vous connaissez qu'il y a pas demander un mufti maintenant, au présent devant sa mufti, la situation là, comment tu étais, et donc mufti là, il peut juger, il peut dire où, c'était Maradoul Maut, donc la portance, ça va faire, c'est pas une faire, il est appliqué, il n'est pas appliqué. Ici, nous coulons plutôt ça même qui connaît dans une situation comme ça, nous bien prend fatwa d'un mufti, nous bien prend guidance d'un mufti. Alors, tout ça là est important. La loi sharia concernant la portance du bien qu'une personne fait dans son vivant, avant son Maradoul Maut, parmi ses enfants et proches, est différente à la loi de la portage de l'héritage après la mort,
qui est fait par un héritier du défunt. Alors moi, mon co-vivant, moi du bien que moi, mon vie, mon partage parmi mes enfants. Mais après moi, l'amour, là, pas comment mon vie, là. Là, nous finis étudier une fraction, semaine passée, nous étudions qu'il y a une fraction mentionnée dans le Coran et quelques-uns mentionnés dans le Hadith, qui nous peut étudier après, Inch'Allah. Alors, quand quelqu'un fait la partage de ce du bien à ce bon enfant, proche de bon enfant, ou bien proche de ce vivant, ça considéré comme hiba, d'en faire, est considéré comme hiba, n'est pas considéré comme fara'id, c'est-à-dire comme un présent cadeau qu'il peut donner à Banna. Quant à la loi islamique de l'héritage, alors ça applique uniquement après la mort du personne. Après la mort du personne. Maintenant, peut-être, quelqu'un n'a pas fait un doute, parce qu'il dans le passé fin arrivé. Qu'il y a du monde de ce vivant, il fait la portage. Alors, pas tu connais, garçon gay doux, tu finis gay, garçon gay deux, tu finis gay un. Il est arrivé dans le passé avant de faire comme ça. Alors, vous pouvez un doute dans l'esprit. Moi, ensemble avec moi, là, Tafhimul Masail, volume 3. Tafhimul Masail, c'est un livre, c'est un parmi beaucoup de livres qui nous est dans, beaucoup de références, c'est là, mais mon pensée, nous, Mauriciens, Ahlu Sunna wal Jama'a, pour nous, sa référence, allez vous suivre, Inch'Allah. Tafhimul Masail, c'est une collection fatwa par professeur Mufti Munibur Rahman, Hafidhahullah Ta'ala. Mufti Munibur Rahman, ben ulama, c'est un ulama, j'allais muftier avant de Pakistan, actuel, là, il est encore vivant. Vous demandez n'importe qui alim qui n'apprend Pakistan, ou bien qui sorti là-bas, n'importe qui alim Ahlu Sunna wal Jama'a concernant Mufti Munibur Rahman, vous dites oui, ça c'est un grand mufti. Il est renommé. Lise aux collections fatwa, par volume 3, la PDF là, lit 411, page 411. Donc, ça, PDF là, lit available online. N'importe qui s'en a, capable de downloader. Mufti Munibur Rahman Pedia. Alors, là, il dit que c'est شخص qui zindagi, mais, uska tarka, ya wirasat taksim nahi hoti, wo apne mal ka maliko mukhtar hai, jaisa chahe apne mal mein tasarruf kare, agar koi shakhs apni zindagi mein apne mal ka kuch hissa, apni aulad mein taqseem karna chahta hai to shariat ki rooh se mustahsan amr ye hai ki wo tamam aulad ko musawi taur par de magar ye taqseem wirasat nahi kehlayegi sa pat être considéré comme la partage comme on dit l'héritage inheritance non balki hiba kehlayega hiba kinun fik jala hiba aur hiba mein aulad ke darmiyan musawat ki targhib dit gaïe. Alors, Mufti Munibur Rahman aussi explique la même chose. Vous demandez n'importe qui alim qui Mufti, que ce soit l'Inde, Pakistan, ou soit dans un pays arabe, c'est ça même, comme ça même, ça te finit expliquer. Right. Alors, nous continuons l'explication. Ainsi, dans la loi sharia de l'héritage, par exemple, un garçon gagne deux fois plus qu'une fille, pas appliqué quand faire la partage d'un vivant. Ou encore vivant, ou peut partager ou du bien au garçon ou tifi. Là, les recommandés quantités au pays d'un garçon ou d'un tifi là pareil. Right. Quantité au pays d'un garçon là, autant même ou d'un tifi là. Et nous pas dire comme ça même. Mufti Munibur Rahman, pas dire ça pour lui-même. Ben, on l'a même pas dire ça pour lui-même. Je ne pense pas un hadith. Right. Alors, hadith là, pareil, deuxième page, page 14 dans nos livres. سيدنا نعمان بن بشير رضي الله عنه dit et c'est un hadith paru dans Sahih Muslim. Il dit nous get traduction là, mon papa fin de moi une partie de ce du bien comme présent. Alors mon maman Amra bint Rawaha رضي الله عنها fin dit à mon papa le get épouse comment peut vivre get ça épouse là ce taqwa. Nu'man ibn Bashir dit à mon papa une de moi une présent. Mais mon maman, il dit à mon papa pour satisfaire aussi longtemps qu'il ne t'a pas fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attester ça. Tu parles demain avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam si c'est qui t'a fait là, te donne ses enfants là une présent. Est-ce qu'il est bon ça c'est qui t'a fait là ou bien il n'est pas bon ça c'est qui t'a fait là?
Alors, semaine passée, nous disons que l'islam, ce n'est pas une dîme qui n'insiste pas dans l'ibadat là-dedans. Même dans le mu'amalat, dans la transaction qui nous fait, les besoins basés d'après le Coran et le Hadith. Alors, les diamants, tu nous donnes enfin un cadeau, oui, mais tu as besoin de faire un Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, à tester ça. Dieu qui est vraiment les bons, là, nous, les enfants là font un cadeau, là, pour les. Alors, les gens, mon papa, fin bin, quand Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, attester mon présent, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il demande à mon papa, est-ce qu'il te fait faire la même chose pour tous les bons enfants? C'est-à-dire, comment tu me donnes Nu'man, radiyallahu anhu, tu es non pour les autres enfants, est-ce qu'il te donne maintenant pareil? Alors, papa là répond non. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça l'est là qu'il dit, il dit, ittaqullah, Père Allah. Père Allah. C'est-à-dire, quand on peut donner un cadeau aussi, besoin de Père Allah. Quand on peut recevoir un cadeau, besoin de Père Allah. Et non plus, comment dire, Mouft Kamal, on peut gagner, donc, monique, prends-moi les mêmes. Non. Besoin de Père Allah. Ittaqullah, wa'adilu fi awladikum. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Père Allah et faire la justice parmi tes enfants. Faire la justice. Quand tu donnes ça aux enfants-là, que tu puisses donner les autres enfants aussi pareil. Alors, ce papa-là, ce sahabi-là, il retourne et il prend sa cadeau-là. Il reprend cadeau-là de tes enfants-là. Hadith Sahih Muslim. Bas en l'eau-là, Manrolama, l'élève, il explique nous qu'on peut faire la partage d'un vivant. Quand tu t'es obé d'un garçon ou d'une petite fille, pareil. Oui, c'est arrivé d'un vivant pour faire la partage, qu'on finit mot, c'est-à-dire après ou la mot, garçon, petite fille, quand on peut partager, normalement, une fraction qui est là de pour en appliquer. Oui. Néanmoins, mais c'est moi, il y a une condition là, si jamais il y a une raison valable d'après Sharia, nous capables de donner des enfants plus ou bien moins, raison valable d'après Sharia. Très important ça. Pas une raison valable d'après mon esprit, non. Non. Une raison valable d'après Sharia. Alors, quand on donne des enfants plus ou bien moins, quand on fait la portance de vivant. Et toujours ça, les bons, quand, si arrivé, on peut faire ça, on peut donner des enfants plus et des enfants moins de vivant, quand on peut faire la portance, prends fois toi d'un moufti. Allez, explique-lui, j'ai dit. Mais on peut faire dit de sa façon-là, mais dans sa raison-là, est-ce qu'il est vraiment valable d'après Sharia? Alors, moufti là, vous dire où? Mais là, nous donnons des exemples. Par exemple, si un enfant peut apprendre il me dit, comme on connaît aujourd'hui, bien tigit jeune puis apprendre din, bien tigit intéressé. Nous seulement, non, général, même pas intéressé avec il me dit. Ça, il me qu'ils ont dit, nous puis apprendre là, concernant cadeau, les formes partie de ban, fard ouloum, ça. Obligatoire, le chaque musulman pour connaître ça. Parce qu'il nous reste, donne cadeau, prend cadeau, les fard les parmi ban fard ouloum, ça. Tu visais apprendre, tu visais enseigner, mais malheureusement, ne pas apprendre, ne pas enseigner. Alors, si un enfant, ou trouver aux enfants, puis en prendre le médine, et pendant qu'il peut en prendre le médine, il va gagner des temps de travail, il peut faire khidmat din, là, dans ça, dans là, au cas où ça, un enfant là, un peu plus, parce qu'il va gagner des temps de travail, il peut faire travail din, il peut faire khidmat din, alors au cas où un peu plus. Et, deuxième, si un enfant est dans mauvais chemin, droguer, sous l'or, etc. Alors, et vous pensez que quand vous faites la portance d'un vivant, vous pouvez donner, les pour prendre tout, les pour finir tout. Les pour finir tout dans mauvais chemin, dans la drogue, etc. Alors, vous donnez moins. Al-Fatawa al-Hindiya et Bahari Shariat. Une petite chose qui me tient envie de finir concernant nos bonnes références. Vous trouvez que nos bonnes masail, la plupart est dans sous référence. Al-Fatawa al-Hindiya, c'est un livre en arabe. Un livre Fatawa, d'après Madhab Hanafi, en arabe. Bahari Shariat, il y en ourdou. Bahari Shariat, il y en ourdou pour Allama Amjad Ali, rahmatullah alayh, qui est parmi mes grands élèves de Allah Hazrat. Mais, parfois, moi, j'ai un adjumon, je suis avec ourdou. Il n'est pas bon, ça. Et dans certains, il y a allergie avec arabe. Il n'est pas content au lama arabe, ça n'en a pas content au lama ourdou. Il n'est pas bon, ça.
nous bien content tout mon rôle que ce soit les causes ou que ce soit les causes après pour que des sorties il y en a il oui condition il y en a il du moment il y en a il du moment il y en a il nous contenter Allama amjadali que nous pécouse par les shariat mon frère et ma sœur rappelle bien quand vous get par les shariat chaque mas'ala qui Allama amjadali présenté là-bas il a sa référence à côté Allama amjadali panjan non il est pas sur l'esprit. Donc, quand nous pédia Bahari Shariat ici, pas penser que c'est un livre d'où l'en, c'est pas qui, non. Allama Amjad Ali, il prend Mas'alala depuis un livre arabe. Depuis un livre arabe. Et nous avons une édition publiée par Dawat Islami, en Ali online. Édition publiée par Dawat Islami, maintenant il fait un travail de tachrij, le Bahari Shariat. Maintenant, il a, comment dire, regardé qui volume, qui passe, qui livre, je le mettrai bien en détail. Allama Amjad Ali, tu n'excites non livre-là, Dawat Islami, quand il publie les livres, je ne fais mettre les plus en détail. Alors, quand nous disons Bahari Shariat, pas penser qu'il nous paye cause. Un livre qui peine à référence. Non, il a tout référence là-bas. Alors, nous continuons avec nos banmas Allah. Si arrivé une personne commet l'injustice d'en faire Heba à son ban proche, ou bien enfants, et lui donne certaines plus. C'est-à-dire qu'il y a une raison valable d'après Sharia, et il n'arrive pas à faire l'injustice. Il lui donne un plus, un moins. Alors, il donne certaines plus, et il donne ben, les autres moins, sans aucune raison valable d'après Sharia. Dans ce cas, il n'est pas pour être valable malgré que Sharia finit déconseille faire ça. Right? Alors, Sharia finit déconseille, comment dire, ou donne un, beaucoup, un tigit, sans aucune raison valable. Mais si un djemoun, par exemple, il donne ça, il tient à l'argent, right? Alors, par exemple, 300 000 roupies, il donne garçon 200 000, il donne tifi 100 000. Mais est-ce que ça, heba là, ça présent qu'il donne la li valable, est-ce que ça garçon là, il est propriétaire de sa 200 000 là, tifi il est propriétaire de sa 100 000 là? Oui. Malin d'une propriétaire, mais seulement, ce qui s'agit du monde là, il fait, il dit pas bon. Sharia fin de conseiller ça. C'est un fatwa de Mufti Munibur Rahman par Iddat Tafhimul Masail. Alors, vu l'importance du sujet de donne et prend Heba, ben, Rolama fin consacrer un chapitre en entier, exclusivement pour expliquer cela dans un livre de fait. Ne nous pensez, prends cadeau, donne, ça fait simple, ça. Monnaie prend, me donner, monnaie prend. Ou à l'ouvert, Mukhtasar al-Qudouri même. Hein, Mukhtasar al-Qudouri. On est prend Mukhtasar al-Qudouri pour y en a un chapitre qui table Hiba. Un chapitre pour expliquer concernant Hiba. Et dans tous les faits, c'est comme ça. Mais les chagrinants qui de nos jours, la majorité de man musulmans pas au courant de sa bonne règle-là, et parfois peut-être nous peut recevoir une présence et nous peut content l'eau là, mais en réalité, ça quitte ce sens-là, les haram pour nous prendre. Hein. C'est pas grave de reprendre les. Par exemple, une quitteuse volée. Comme ça même, un masala important, qui ne peut discuter ça aujourd'hui là, un premier masala important concernant Hiba, c'est qu'il y a un enfant n'a pas à lire, un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, pas gagné droit de un présent, dépit sur du bien, dépit sur l'argent personnel. D'après l'islam, un enfant n'a pas à lire. Non-balir, qui n'a pas encore atteint la puberté. Et quand nous pouvons balir, non-balir, c'est pas là 18 ans. Nous, dans le partout, et vous connaissez beaucoup de frères et sœurs qui suivent nous, pour suivre nous. On va pas dire ça comme une critique, non. Plutôt pour montrer où nous niveau côté. Nous sommes beaucoup de frères, de sœurs, de gradués, de tout. Côté dunia, PhD, docteur, tout, correct. Mais balir, cette définition, je ne pas connaître. Maintenant, balir, c'est un terme qui servit pas tout. Namaz, vin farz, kovin balir, rosa farz, kovin balir, zakat farz, kovin balir, hajj farz, kovin balir. Et balir, je ne pas connaître. Alors, là, parfois, nous avons besoin de définir. Alors, balir, pour un garçon, c'est quand il commence à un wet dream, et pour un fille, quand il commence à un sourire. C'est ça, balir. Mais un enfant n'a balir pas le droit de donner un présent depuis ce du bien personnel. Nous pouvons mettre ça bien en détail là.
Et nous aussi, nous pas gagner droit prendre un cadeau des pieds enfants en bas lire. Inch'Allah, prenant 3-4 pas, juste nous pour cause là. Donc, par exemple, si un enfant en bas lire, depuis sur l'argent personnel, il prend 100 roupies, il vient donner moi. Oustad, pour le montrer moi, pendant un an, il va donner un présent. Ça, mon l'argent personnel, ça. Moi, pas gagner droit prendre sa présent là. Pas gagner droit prendre. Right? Alors. Comme ça, il y a beaucoup de manières qui nous fait, et donc, pour éviter cela, nous devons nous apprendre le fait de Hiba. Donc, là, pour Barakat, sa leçon-là, Inch'Allah, nous comprendre comment faire la portance de vivant. Ou bien, si nous ne comprenons pas, nous connaissons qui, comment dire, une condition est là, donc nous consulter un moufti pour l'éclairer, si nous l'avons là. Et en même temps, un petit cadeau qui nous prend, qui nous donne, nous connaissons quand il s'en prend, quand il s'en pas prend, quand il s'en donne, quand il s'en donne. Nous continuons. Fiqh de Hiba, alors ici, Hiba veut dire présent cadeau. Islam fait encourage, nous donne cadeau. Dans plusieurs hadiths, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, une cause concernant que donne cadeau, ça fait gagner muhabbat, ça fait gagner l'amitié, ça élimine rancune. Donc, un hadith qui est dans ici là, ça vous capable de lire après, Inch'Allah. La page 16, là, il y a un hadith concernant donne cadeau. Et nous avons un masail ou qu'à l'yali. Nous venons vers un masail. Nous n'avons pas envie de faire le son, nous venons trop long aussi. Nous avons envie, comment dire, nous focus sur un, nous avons quelque chose qui est important. Masail concernant Hibab, donner et recevoir cadeau, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans la vie de presque chaque musulman. Il n'y a personne parmi nous qui a dit à Zamé mon gain cadeau. Ou bien Zamé mon donne un cadeau. Tout le temps arrive ça. Nous comptons un cadeau, et il dit bon, nous donne un cadeau, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne, nous vous donne, right? Donc, que ce soit nous peut donner un cadeau, ou bien nous peut recevoir un cadeau, il y a certaines lois et règlements du sharia qui nous pouvons bien respecter, right? Nous besoin de respecter certaines lois sharia. Ça va la loi là, je t'applique dans tout mon cas, que ce soit cadeau là, il y a quelque chose qui peut une grande valeur monétaire, tel qu'un bonbon. On a envie de nous un bonbon cadeau, par exemple. Là aussi, on a besoin de respecter mes conditions. Right? Ou bien, quelque chose de valeur, tel que terrain, voiture. Bien respecter ça, mes conditions-là. C'est ça, mes lois-là. Et ça, mes lois et règlements qui nous peut expliquer et apprendre ici, Inch'Allah, qui Allah fait les mines faciles pour nous. Définition. N'importe qui, il me comprend, on prend, nous besoin qu'on certaines définitions avant. Là, il vient facile, parce que ça m'a un terme là, pour servir dans mon masail, qu'on peut expliquer mon masail, mon règlement. Afin que nous capables d'étudier mon masail de Hiba, il est important pour nous comprendre et mémoriser mon terme suivant. Il est facile, il y en a beaucoup. Premier terme, wahib. Wahib. Wahib, ou bien al-wahib. C'est celui qui donne cadeau. Wahib, c'est celui qui donne cadeau. Mawhoub, lahou, celui qui recevant un cadeau là. Et mawhoub, ou bien hiba, c'est ça quelque chose qui peut être donné comme cadeau là. Right? Oui, Bahari Shariat, il y a une définition là-bas. Exemple. Donne-nous deux exemples. Si disons Zayd peut donner à Amr un bonbon en cadeau, nous ne commençons pas à faire bonbon. Si Zayd peut donner à Amr un bonbon en cadeau, Zayd lit Wahib. C'est ensemble avec moi, non? Hein? C'est difficile là? Hein? Ok là? On peut essayer, comment dire, faire les vignes faciles. Allah fait ça bien facile pour moi. Zayd lit Wahib. Amr lit Mahou, lahou. Bonbon qui peut être donné en cadeau, c'est Mahou ou bien Hiba. Si disons Zubair peut donner Souhel un terrain en cadeau maintenant. Terrain. Zubair li, Wahib. Souhel li, Mahou, lahou. Et terrain là, c'est, on appelle lui Mahou ou bien Hiba. Simple. Allez. Quand on finit comme ça, mon terme, là, maintenant, nous guettons une condition. Yes.
Les pour venir là, les pour venir là, Inch'Allah. Vous venez là, là. Sinon, on finit prendre cadeau avec un enfant en abalir qui nous bise en faire. Nous en retournons. Les. Allez, chérie, tu m'expliques ça. Allez. Une condition nécessaire dans Wahib. Wahib, qui était sa Wahib, qui s'en a sa Wahib? Celui qui peut donner là. Celui qui peut donner. Donc, celui qui peut donner cadeau, il a trois conditions. Il y a trois conditions là. Premier, Wahib, besoin être aqil, saint d'esprit. Il n'est pas besoin fou. Donc, demain, c'est comment dire, un fou, il vient, il dit, ah, ben, tu connais, moi, je vais donner toi, moi, la case cadeau. Il dit, correct. Mais demain, sur la case cadeau. Finger sur la case, hein, beaucoup yon li, me donne un bon mot, me dit, demain, sur la case cadeau. Et prends-le de moi. Vous avez le droit de prendre ça. Est-ce que la case a venu pour moi? Non. Et là, nous trouvons beauté dans la loi sharia, hein. Comment la loi sharia, il, comment dire, protège, man faible, man malade. Un jimon fou, pas qu'un droit d'un cadeau. Wahib bizan et Saint-Esprit. Aqil. Deuxième condition, Wahib bizan et balir. Deuxième condition, celui qui veut donner cadeau, là, il a besoin de balir. Donc, un abalir, pas qu'un droit de donner un cadeau. C'est-à-dire, il finit à atteindre la puberté. Et mon père dit, puberté, pas veut dire 18 ans, mais on fait que j'ai allé là, hein. Wet dream pour un garçon et haze pour une fille. Donc, un enfant, que ce soit garçon, que ce soit fille, n'a pas à lire, pas besoin d'une personne, même à ses parents, un cadeau, depuis ce du bien, l'argent personnel. Il n'a pas le droit de donner. C'est un masala qui peut surpris, fin surpris, beaucoup du monde. À cause ça, nous ne faisons pas de recherche là. On a fait un peu de recherche là, et recherche là, vous trouvez là, dans footnote. Alors, peut-être, ça masse à la, qui a un enfant n'a pas à lire, pas qu'il a un droit de donner un cadeau, depuis sur l'argent personnel. Alors, les poussières priment beaucoup moins de frères et sœurs. Et il est possible que certaines, pas certaines, peut-être tout pour dire, c'est la première fois qu'ils nous pétanent ça, une nouvelle affaire qui peut venir là, right? Mais les bons connaissent, qui ça, c'est un masse à la, qui va nous rouler la main de tous les quatre mazhab. Vous connaissez, dans certaines mas'ala, il y a divergence, ikhtilaf, parmi les ulama, différentes opinions. Dans le fiqh, il est comme ça, right? Et, il est comme ça. Et nous, nous sommes tolérants vis-à-vis de l'ikhtilaf dans le fiqh. Mais, ça, mas'ala, on ne peut pas trouver ikhtilaf. Parce que tous les quatre mazhab peuvent dire la même chose. Tous les quatre mazhab peuvent dire la même chose. Alors, et pas si, comme on dit, sur notre jamaat, même man savant, de Obandi, man savant, salafi, ben là aussi, il y a la même chose. Moi, je t'appelle les autres, salafi, ben là aussi, il y a la même chose. Donc, exemple là, Mazhab Hanafi, Imam Kassani, dans ce livre, Bada et Ruswanari, volume 8, page 94, Imam Kassani Hanafi, c'est pas un nouveau savant, ça. C'est un alim qui n'a pas été wafat, tout le monde sur l'année wafat, à l'année 587 Hijri. Hein, 900 années environ de cela. Mentionné clairement dans ce livre de fiqh, qui est très renommé, ouais. C'est un livre renommé, il n'est pas permissif pour les enfants d'en balir de l'un présent. Durrul Mukhtar, c'est un livre qui, ça aussi, un Hanafi bien connaît. Ou bien un Hanafi qui peut en prendre fiqh, je connais, mentionne ça là-bas. Ala Hazrat, tout nous, nos références à la Hazrat, et aussi déjà la même chose. Il y a Wali qui ijazat barbi na balir kahiba sahi nahi, même si le Wali donne permission. Wali, ici, veut dire sa personne qui est responsable aux enfants-là. Par exemple, papa, ou bien si papa intercale ce dada, même si papa-là donne aux enfants-là permission, pour aux enfants-là, depuis ce du bien personnel, donne un cadeau, hiba. À la Hazrat, na balir kahiba sahi nahi. Un enfant n'a pas le droit de donner depuis ça, du bien personnel. Allama Amjad Ali aussi dit la même chose dans Bahari Shariat et dans le Bélia page 19. Et après, vous trouvez mon copie, sa longue masala. Je ne mets aucune traduction là. Mais traduction là, il peut venir après, mon essai explique-le, passe après.
l'imam Jadali, ici, ce qu'il peut dire, il peut expliquer nous qu'un enfant nabaligh n'a pas un droit d'un cadeau, et un enfant nabaligh n'a pas un droit d'un sadaqa aussi. Oui. Un enfant nabaligh n'a pas un droit d'un sadaqa aussi. Depuis sur l'enfant personnel, il n'a pas un droit d'un cadeau, et ni il n'a un droit de faire la charité. Et c'est une fière qui vise un fière, mentionné là. Bien retourne aux enfants là. Si un enfant ils veulent venir donne moi un petit cadeau, un petit gâteau, on besoin retourne les. Si un enfant ils donne sadaqa, besoin retourne ces enfants là sur leur champ. Mentionné là. L'imam Jadali Bahar al-Shariat. Alors, c'est pas un nouveau masala. Là l'appel qui m'opéra à Sunna wal Jamaa. Get combien qui te sont l'imam Jadali, nous à la Hazrat, nous Bahar al-Shariat. Et nous plus attachés avec Banna, oubliez Ban Khan Oulama qui nous a dit Abdurul Mukhtar, tout ça là, oubliez Ban Khan Oulama. Malgré nous, pas oublier Banna, c'est Ban Lem, nous, racines. Mais nous attachés avec Allah Hazrat. Alors nous sommes attachés avec Allah Hazrat, nous sommes attachés avec Bahar al-Shariat, avec Rizviyat. Mais il y a un peu de comprendre tout ça là. Nous faisons un majlis par exemple. Nous comptons Imam Hussein, nous comptons Sirah, nous comptons Rosepa. Mais parfois, besoin de quoi ça m'en a fait là? Il est obligatoire pour enseigner et pour apprendre ça. Nous livre une faire mention de ça. Et depuis 900 années avant, et même plus avant que ça, nous l'avons expliqué, mais nous ne connaissons pas. Et ce n'est pas Hanafi seulement, Madhab Maliki. Alors parfois, comme on dit, nous perdons le temps d'avant, discussion inutile, et nous pouvons quitter les affaires importantes comme ça. Ahlus Sunna wal Jamaa. Perdu le temps dans une discussion inutile qui pas pour rapporter nous non et nous peut quitter ce qui est important, ce qui first ulum nous peut quitter. Nous, alhamdulillah, l'un de nous tawfiq, nous n'avons pas nous peut en prendre là. Et c'est-à-dire nous devons maintenant pour faire les autres comprendre. Madhab Maliki aussi dit la même chose. Et la parole de l'imam Malik directement là. Madhab Shafiri aussi dit la même chose. Madhab Hanbali aussi dit la même chose. Il y a fatwa de l'imam Ahmad là-dedans, page 20, ouais, on va prendre d'abord un détail. Encyclopédie de fiqh, aussi dit la même chose. Bandeoubandi aussi dit la même chose. Dans notre livre, Bahishti Zewar, savant, salafi, lui aussi dit la même chose. Il y a une fatwa là-bas, un savant salafi, lui aussi dit la même chose. Alors, tu arrives à un issue comme ça, qu'un enfant lui donne son monde cadeau à un son camarade. On a demandé à Mouftila avec qui vient faire là. Mouftila dit, c'est un cadeau qui ces enfants-là, il ne donne pas valable. Et Mouftila, ensuite, lui donne une faire référence à un texte qu'il y a dans les fiqh de Madhab Hanbali. Et on est là-bas. Hein? Hanbali et peut-être Madhab Maliki aussi. C'est-à-dire, pour conclure, c'est, nous comprenons que ça, c'est un mas'ala qui peut être là parmi aucun, l'école, jurisprudence. Tout est déjà la même chose. Alors, nous avons besoin d'appliquer les. Et pour peine, on voit soit ça, comme on dit, Shaitan ne pas mettre soit ça dans la tête. Là, ce livre-là, Al-Mawsu'a Al-Fiqhiya, Al-Kuwaitiya. Ce livre-là, c'est un livre en 45 volumes. C'est mon papa préféré. 45 volumes. 45 volumes en arabe, préparé par un savant de Kuwait. Bonsoir, Fekhia Kuwaitia. Maintenant, tout là, tous les 45 volumes, on download les free ça. Et non, vous payez non rien. Les free, on download, vous gagnez là. PDF, vous gagnez Chami, la photo, vous gagnez 45 volumes. Manoul Lama qui n'expliquait là-dedans. Ben là, il explique nous tout le masail, quand depuis son rousle, jusqu'à ben affaire comme un cadeau, faraïd, tout ben affaire qui nous gagne ben les fiqh, selon quatre mazhab. Selon tous les quatre mazhab. Hanafi Kenja, Shafi'i Kenja, Maliki Kenja, etc. Tous les quatre mazhab, ben là, il explique. C'est un livre en 45 volumes. Et là, sa volume, là, ça, je vais montrer où l'est, c'est volume 17, page 85. Alors,
Là, juste pour vous montrer, on va vous lire, pour faire tâcher ce texte-là. Là. Ben, l'ulama explique concernant ça, ce qu'il nous fait dire. Un enfant n'a pas lire, pas gain droit d'un cadeau. Ouais. Sur preuve côté. Alors, ça, étudié dans le chapitre Kitab al-Hajr, dans Mukhtasar al-Quduri aussi, il y en a ça. Kitab al-Hajr. Alors là, maintenant, il explique. Sabatat mashru'iyatul hajri bil kitabi was sunna. Il dit que ça, c'est qui nous peut expliquer un enfant pas gagner droit d'un cadeau, etc., etc. C'est une restriction qui est là, l'éprouver d'après Coran et Hadith. Et ensuite, il nous donne un ayat là, il commence là, un ayat là continue, et il nous donne un ayat Coran, et après, il nous donne tafsir qui finit fait par Imam Shafi'i. Imam Shafi'i. Right? Et après, il nous donne un Hadith. Donc, c'est ce que vous dites. Attention, Shaitan, mais toi, soit ça. Qui quand même déjà avait connu nous négligent dans les faits mais dans le Coran et les hadiths qu'on fait mentionner ça mais ça man ulama surtout tous les quatre mazhab et déjà ça même un mazhab si déjà ça man apprend depuis ban sous genuine ça donc là tous les quatre mazhab et déjà je t'ai là je prends référence celui qui a envie d'apprendre plus l'eau là il réfère à sa mawsu'a fiqhiya kuwaitiya et vous gagnez tous vos références là bas alors nous continuons. Ici, quand on finit, on comprend qu'il y a des enfants, n'a pas lire, pas gain droit de donner un cadeau. Troisième condition, on arrive page 21. Ma condition dans Wahib, c'est commencer page 18, mais après, nous, on a une footnote qui nous explique nous concernant les enfants, n'a pas lire, pas gain droit de donner un cadeau. On arrive, donc, dans la page 21, là, nous inclure sa troisième condition-là. Troisième condition, c'est Wahib, c'est être propriétaire de sa quelque chose qu'il peut donner comme cadeau. Quand on peut donner un cadeau, ou bien être propriétaire de sa quelque chose. Je ne suis pas capable de prendre quelque chose qui n'est pas pour moi, me donne. Alors, à l'époque longtemps, il y a certains du monde qui me font, par exemple, grand du monde, pas de la terre là, grand du monde, pas de connaître lire, pas de connaître écrire, et grand du monde, tu as la confiance, le seul. Il ne prend pas papier, il ne prépare pas papier quand le TSP pas qu'il vient, il fait grandir mon signe. Right. Et après, je dis à la télé, il vient tout faire grandir mon signe sans qu'il grandir mon la connaît. Vous voyez, dans le cas comme ça, beaucoup il arrivait. Beaucoup nous tendaient comme ça. Mais là, ça la télé là. Maintenant, où dit ça la télé là, moi la télé, moi je donne ça à mes enfants. Il n'est pas pour vous-même, comment vous donnez? Il n'est pas pour vous-même, comment vous pouvez donner? Comment vous pouvez donner? Vous pouvez comprendre que je vais dire, oh là non, grand du monde n'a pas donné les il fait malhonnête. Il n'est que prépare un papier, grand du monde n'a pas connu, pas connu rien, il n'est que prendre un papier, il me dit, ou bien, je vais mettre pouce comme ça, fini, la terre est finie, il va me Alors, le côté ibadat, peut-être qu'il peut faire beaucoup de namas, chaque année, il peut le faire hajj, mais il peut rester dans la place haram, pas police. Hein. Et surtout, si grand du monde n'a pas fini mot, ça va une fraction qui nous tient en prendre à appliquer. Right. Alors, quand il peut rester là, peut-être, il y a les autres support là-bas. Il peut rester, il peut rester dans le haram, et il peut donner à ses enfants ce qui peut appartenir à lui. Ainsi, il va donner quelque chose volé, il n'est pas valable. On ne peut pas donner quelque chose qui est un coquin. La solution, c'est ça, ça n'est pas coquin. Satisfait avec ce qui est là. Et s'il arrive un coquin, retourne, ça dit, il y a quelque chose. Si un coquin, retourne ni sur quelque chose. S'il n'est pas vivant, retourne sur un héritier. Sinon, dans les derniers hachres, il faut bien rendre compte là-bas. Là-bas, il faut bien rendre compte. Là-bas, il faut bien prendre qui donner là-bas. Parce que là-bas, quand tu parles sur ce terrain, si coquin sans toi, ce terrain dans la dunia, là-bas, qui veut dire sans toi, ce mouvement de toi, qui terrain là-bas pour donner? Non, là-bas c'est Neki. Et côté Neki, là, nous fait Beki Boudonne. Le signe coquin, c'est arrivé une femme en affaires comme ça, retourne. Et donc, parfois, il y a un cas qui est arrivé. Si vous ne pouvez pas trop bien comprendre, allez consulter un moufti. Quand un moufti explique-lui, qui peut-être arrive comme ça, et le moufti là pour montrer le chemin, il Boudonne. Il faut guider. Page 22 maintenant. Si un parmi les trois conditions mentionnées pas présente dans une personne, alors celui-ci pas qualifié pour être un wahib.
Right? Donc, pour venir un wahib, pour gagner sa petite wahib là, hein, celui qui donne cadeau, non. Vous avez compris, wahib qui s'en a. Pour bien, comment dire, celui qui. Vous avez dans ces trois conditions là d'en haut. Si une condition manquait, je veux dire, vous pas capable d'un cadeau. Et quand un du monde comme ça, puis donne-moi cadeau, vous pas besoin d'accepter ce cadeau-là de lui. Vous pas gagné propre. Mais ça là. Un enfant n'a pas lire, pas capable d'un comme cadeau une petite chose qui appartenait à lui. Même l'enfant, son papa, aussi pas capable d'un quelque chose qui appartenait à l'enfant comme Hiba à Kiken. Si arrivé, fin faire ce type de Hiba, alors, bizarre, reprend cadeau là, depuis ma rouble en haut. Encore rappelle ma rouble en haut? Celui qui recevra là. Bizarre, reprend. Quand il va pas être valable et correct. Référence, Bahari Sharia, Dourul Mukhtar, les fiqh, madhab, Hanafi. Un enfant n'a pas n'est pas capable de faire sadaqa, depuis ce du bien. Et ni l'enfant, ce papa, n'a pas le droit de faire sadaqa depuis du bien de l'enfant. Alors, parfois, nous, on n'a pas connu masala, nous pensons qu'on peut faire un bon travail. Un manger, un vini. Et l'enfant là, tu n'as l'argent que toi pour toi. Donc, prends tout l'argent, donne ça, mangeant là, 10 roupies. On peut penser qu'on peut faire un bon travail. Mais en réalité, pas gain, il n'a pas le droit de donner. Dans ce cas-là, qu'il vient faire, moi, en tant que papa, moi, me donne aux enfants là l'argent. Je ne pas faire living malik ça l'argent-là. Je ne pas faire living propriétaire de ça l'argent-là. Right? Me donner l'argent-là, les enfants-là comme un représentant de moi, comme mon wakil. Il prend ça, il donne sa mention là l'argent-là. Parce qu'en même temps, on a besoin de train nos enfants pour donner, non? On a besoin de train nos enfants pour donner. Et nos enfants, depuis ceux-là, ils n'ont pas le droit de donner ça d'accord. Donc là, qui m'a fait, me donne mes enfants l'argent, je ne vais pas faire mes enfants une propriétaire de ça. Je lui ai dit, toi, bêta, bêté, prends ça, elle donne ça maintenant. Je vais expliquer, Bahari Shariat, 100 bananes avant, il finit, explique-nous ça. 100 bananes avant, Bahari Shariat, il finit, explique-nous ça. Et comme ça même, comment dire, quand on peut causer, on va faire cadeau, tout ça là. Rappelle bien, à partir d'aujourd'hui, quand on peut donner un enfant, on veut donner un enfant un présent, pas faire un enfant là, mais une propriétaire. Que ce soit aux enfants, que ce soit à l'autre enfant. Quand on peut donner un cadeau, un enfant est né par exemple. Alors, n'importe qui peut donner l'argent, on peut donner peu importe qui vous pouvez donner, pas faire un enfant là, mais une propriétaire. Fait ni, hein, qui c'est qui m'a fait donner là, on peut faire par exemple, son papa avait une propriétaire, ou bien son maman avait une propriétaire. Alors, demain qui peut arriver, si arrivé les enfants là, il n'y a pas de service avec moi là, ou bien parents là, peut viser l'argent. Et il y a beaucoup de papas qui servent les enfants sur l'argent. Il y a beaucoup de papas qui font les enfants, petit baba, cadeau qui ne gagne, je service à l'argent là. Alors, on va dire à tous les papas là, qui fait écoute-moi, et ben maman aussi. Si on fait sa qualité de travail là, on vise à vos enfants là sur casse. Il ne fait qu'en prendre, non. C'est une prendre qui vous a fait vous rembourser. Alors, donc, sa solution, c'est ça, qui qu'on peut donner même, celui qui peut donner, pas faire enfants-là une propriétaire de sa l'argent-là, pas faire l'événement mali. Faire parents-là une propriétaire. Oui, parents-là une propriétaire, enfants-là pour servir à quelque chose. Donc, après, parents-là, s'ils ont envie de servir l'argent-là, quand c'est venu, si parents-là ont envie, sa vêtement-là, aux enfants-là, pas pour servir, ils ont envie de donner ça à l'intérieur, ils peuvent donner. Ni est important. Et Masala, qu'est-ce que nous avons un livre comment été? Al-Fatah al-Hindiya Bahari Shariat. Il y a nous si un enfant n'a pas un livre, apporte un présent. Par exemple, un gâteau, un bonbon, il donne nous. Un laddou, il amène, il donne nous. Et il dit que vous connaissez, mon papa il envoie ça pour vous, mais mon maman il envoie ça pour vous, un tel il envoie ça pour un adulte. Alors, il dit, dans ce cas, il a le droit d'accepter sa présence-là. Mais si vous pensez qu'ils enfants-là peuvent cause mentir. Il dit, si, comment dire, peut paraître qu'ils enfants-là peuvent cause vrai. Pas enfants-là qui n'a c'était. Sa bonbon-là, c'est pas sa gâteau-là, c'est pas, hein. Ce parent vraiment, il envoie ça, vous avez le droit de prendre. Mais si vous pensez qu'ils enfants-là peuvent cause mentir, il aime, il n'a c'était, il n'a même pas de nous, il contrôle, il peut de nous. Mais, dans ce cas, il n'est pas ici pour prendre sa présence-là. Encore une fois, mais les fiqh, ils expliquent ça. D'ailleurs, c'est pas une affaire simple, ça.
pas une affaire simple, ça va être vraiment sûr. Beaucoup peut-être peut penser, mais qui nous peut poser là? Non. Il y a beaucoup plus qui ça détaille dans mon livre de fait, qui nous dit, bon, pas nous rendre beaucoup en détail, mais on dit aussi ce qui est important. Maintenant, ça c'était une condition dans mon rêve. Une condition nécessaire dans mon rêve maintenant. Mon rêve veut dire sa présence qui vous peut donner là. Sa présence là. Sa terrain là, sa bonbon là. Qui va en une condition, il vient satisfaire ses conditions, les là qui, il va valable. Qui ça ses conditions là, première condition, cadeau là vient être disponible. Nous on explique les prochaines pages, nous on est clair ici, après nous on a le verbe explication là-bas. Cadeau là vient être sous possession du wahib. Troisième, cadeau là vient pas être bouchard. Quatrième, cadeau là vient être séparé, demande les autres petites choses. Cinquième, cadeau là vient pas être sous occupation du wahib. Al-Fatawal Hindiya Bahadé Sharia. Maintenant, nous explique ces cinq conditions-là. Un par un, nous prend, nous explique, nous essayons de comprendre, Inch'Allah. Première condition, vous avez envie de nous un cadeau, cadeau-là, mais ça est disponible. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire riba d'une petite chose qui n'est pas disponible. Par exemple, un fruit qui n'est pas encore apporté à un homme. On dit, vous connaissez que moi, j'ai un pied mangue, mais moi, je donne un mangue. C'est moi pour vous gagner là. Peut-être que nous avons des sommes pour gagner la langue de nous. Pas gagner droit. Mais quand on finit de gagner la langue pour moi de nous. Comprends? Il vient disponible. Parce qu'il ne connaît pas qu'il réserve pour nous dans la vie, non? Est-ce qu'à décembre, nous avons des 100 pieds là pour là? Ou bien moi pour là? Ou bien où pour là pour prendre? Pas connaît. Right. Deuxième, quand on a besoin d'être sous possession du Wahib. Wahib, celui qui m'est donné. C'est-à-dire, Wahib, donne en Hiba une petite chose qui appartient à lui, mais à ce moment-là, il n'est pas en sa possession. Par exemple, Wahib, il n'est pas capable de donner quelqu'un l'argent qu'il finit prêt à l'autre du monde. Ça, du monde n'a pas encore retourné. Par exemple, on va venir me dire, vous connaissez, monsieur Intel doit moi 20 000 roupies, mais il m'a payé de nous ça 20 000 roupies là, cadeau. Ça 20 000 roupies qui me chante un tel don à moi, qui n'est pas encore de moi, m'a fait donner ça cadeau. Là, riba n'est pas bon. Il n'est pas valable, il n'est pas bon. Qui fait hein? Parce que oui, l'argent là pour moi, mais il n'est pas sous ma possession. Parce qu'il est possible, me chante un tel, pas donne moi. Pas manquer sa qualité du monde là. Il n'est pas de moi. Ou bien, n'importe qui l'affaire capable d'arriver. Alors, tu veux ça pour moi? Mais il est bien être sous mon possession. Troisième, ça n'est important. Et là, on ne va pas pour rentrer dans beaucoup de détails. Nous nous cause beaucoup concernant les enfants, tout ça là. On est pour pasteur là, vite. Ça, c'est une petite chose qui, ou pour besoin, quand on peut faire un portage, consulter un moufti. Le moi, je dis à l'Sunna wal Jama'a, pareil comme quand il y a un khatam contre nous, nous avons un grand alim qui nous amène contre nous. Alors, comme ça même, qu'on peut faire la portage, Oudban Alim, prends une jour avec eux, Al-CSD, Al-Kitli, Pesur Khidmat, Amen Nikoto, et faire la portage là, sous supervision de sa Alim là. Et pas juste la portage, n'importe qui ça fait, on peut faire. Demain, on peut envie de stand le tour, par exemple. Ou bien envie faire un business, par exemple. Ou bien envie de marier. Ou bien de marier, mais ça peut marcher. Alors, on peut penser pour quitter. Alors, n'importe qui vous pouvez faire, faites sous guidance d'un alim. Prenez un alim, amène les coteaux, et, ou bien un côté, et essayez de m'aller. Pour qu'à faire ce travail-là, bien d'après Sharia. Ici, monique, pour pas cela, être vite, juste pour gagner l'idée, comment il était, d'après fait. Troisième condition, cadeau-là, bizin, être pas mouchard. Ou bien, cadeau-là, bizin, pas être mouchard. Ça, tu plais bon là-bas, non? Cadeau-là, bizin, pas être mouchard. Léa, comment dire, moi, tu peux écrire, tu peux réviser, mon panneau remorque ça. Tu connais quand on écrit un livre, parfois arrive à un niveau, comment dire, on va retrouver rien. Ouais? Récitant, comment dire, on va réviser. On va retrouver là-là. Bizin, pas être mouchard. Pas là, pas mouchard. Allez. Ah, c'est bon. Cadeau-là, vis-à-vis, pas être mouchard. Propriété commune. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une petite chose qui,
un terrain, n'est pas appartenir à moi tout seul. Il y a encore du monde qui a droit à ce terrain-là. Alors, sa qualité de terrain-là, il y a un terrain, moi, il y a, par exemple, la moitié pour moi là-dedans, la moitié pour un autre du monde. Pas pour faire la portage, non, rien. Mais quand pas pour faire la portage, rappelle bien, ce terrain-là, sur chaque partie, appartenir à nous tous les deux, à moi et mon partenaire. Quand pas pour faire la portage, quand il y a 103 terrains, par exemple, chaque partie de ce terrain-là, Harissa, il appartient à moi, il appartient à lui. Ensuite, là, quand vous faites la portage, vous avez dit, mais tu connais, la moitié pour moi, la moitié pour toi, d'accord, on fait la portage là. Vous prenez ça la moitié là, toi tu prends l'autre la moitié, là, Aster, ça la moitié là pour moi, l'autre la moitié pour lui. Right? Aster, nous ne sommes pas capables de dire terrain là, les mouchards, ce n'est pas propriété commune là. Là, il finit de faire la portage là. Là, je connais code pour moi, là, je connais code pour lui. Mais tant qu'il prend pour faire la portage, on ne peut pas vraiment dire code pour moi, code pour lui. Le sac parti de ce terrain-là, moi, mon propriétaire de mon fraction, des propriétaires de sa fraction. À cause de ça, d'après Sharia, une petite chose qui moucha, on n'est pas capable de faire ce heba. Alors, quand il y a une propriété commune comme ça, nous avons fini portage, dit avant. Et rappelle bien que nous pouvons dire faire la portage, c'est pas bon à faire papier tout ça là. À côté notaire ou bien bon à faire légal d'après pays. Ça c'est bon à faire secondaire ça. Quand nous pouvons faire la portage, il sert d'après cela. Et un terrain là, mon vini, mon partenaire est vini, right, nous des propriétaires, par exemple, nous tu mets l'argent, nous t'acheter. Terrain là, 500 000, 250 000 pour moi, 250 000 pour lui, nous avons ce terrain là. À ce terrain nous disons, nous pouvons faire la portage. Alors, l'in vini, mon vini, nous n'est comment dire, nous mesurer, prendre depuis ici jusqu'à là, la moitié, ça autant là, pour moi. Nous n'est fini, mettre un, on comment je vais faire ça. Un bon, c'est pas qui. Fini, mettre bon, et l'in fini mettre sur bon. Mais dire, là, d'après Sharia, la portage est fini faire là. Sharia pas difficile, ça va nous faire notaire, ça la secondaire, ça lui vient après. Oui, nous puissions faire ça d'après nos pays pour, comment dire, légaliser, nous n'avons pas de problème. Mais il vient nous faire secondaire. Donc, cadeau là, il ne pas être mouchard. Une petite chose, qui est une propriété commune, nous pas capable de faire ce riba tant qu'il peut encore faire la portance. Et ici, nous, Ban Rolama, explique encore une petite chose. On explique là-bas, il y a beaucoup de thèmes, peut-être qu'il faut embrouiller l'esprit, on va vous comprendre là-bas, moi j'ai oublié d'avoir nos simples. Si disons, bon, moi, mon papa, il a juste des enfants, moi et mon sœur, right? Alors, mon papa, par exemple, après cela, mot, il quitte sa terrain là, moi, il y a mon fraction là-dedans, pour gagner deux tiers, d'après Sharia, mon sœur pour gagner un tiers. Ban Rolama, d'après Mazhab Hanafi, si disons, monsieur, dis-moi, tu connais, je vous donne toi, je pour la cadeau, prends-le. Je vais pas faire ça. Pour moi là, prends-le. La loi Sharia, dis-nous, Manon Lama, il explique ça. Je dis-nous, qui n'est pas valable. Si monsieur est venu, dis-moi, tu connais, ça mot entier là, prends-le, il n'est pas valable. Qui vient faire, d'après la loi Sharia, vient finir faire la portance là. Donc, moi, et que monsieur a vu le terrain là, on verrait dire la portance, c'est pas mal à faire noter ça là. Moi, et que monsieur a vu le terrain là, moi, j'ai dit, tu connais, tu n'as pas gagné un tiers après la loi Sharia, moi, je suis supposé gagner des tiers, voilà, ça, tout un tiers, ça, moi, mon des tiers, t'as envie de prendre ton terrain. Là, là, il dit, moi, non, mais tu connais, mon terrain, oui, moi, je finis de faire comme ça tout le long. Là, il est devant moi, je connais ça pour moi. Si mon envie, je prends lui, il n'y a aucune objection. Mais à ce terme, moi, de mon côté, je n'ai envie de prendre ça de toi. Lui, quand il donne moi maintenant, quand il finit de donner ce bord, lui, il peut donner moi là, je gagne 3 francs. Qui fait maintenant la main, il explique sa condition-là. C'est parce que parfois, certains de mes frères, ils prennent le téléphone, surtout dans un pays, l'Inde, pakistanais. Tu connais mon sœur, papa est mort, il te parle, mais c'est moi-même qui guette toi, moi-même qui fais tout, moi-même qui dépense beaucoup d'argent pour toi, mais tu parles là, non, donne-moi aller. Et je comprends, alors, je suis avec émotion. Et là, c'est là le téléphone, il dit oui, tu connais pas aller. Il connaît s'il n'est pas pour donner, la porte frère là pour fermer, il n'y a pas aucune place pour aller.
frère là, après le papa a vint côté tout ça là. Alors c'est là comme ça les majbour, les diabètes qu'on est prendre. Mais nous l'avons dit non, sa qualité prendre elle pas valable d'après Sharia. Donne-lui. Donc par exemple, si tu te l'argent, le lien a pour gagner 100 000 roupies, prends l'argent là, donne-lui de son main. Parce que parfois, il y en a des gens, quand on peut qu'on donne quelque chose, là, il dit, non, tu connais, moi, prends. Prends-le pour toi. Mais quand l'argent là, il mine de son main. Et après, ce hack ça, ce droit ça, Coran, il dit, clair, Islam, il donne madame ce droit. Mais quand l'argent là, il mine de son main, il dit, tu connais. Au revoir. Allez, viens parler pour ça là. Peut-être, il y en a souvent une dépense là. Mais prends ce port, donne-lui. Quand on finit de donner, après, lis de ce côté, si Lydia te connaît, non, mauvais, donne-toi. Lis, là, lis. C'est simple qu'il explique là-bas. Alors, ça va faire là, mon frère, mon soeur, qu'on peut faire, faire des sous, supervision et moufti. Nous continuons. Nous finissons de passer du temps là. Je vais qu'à suivre. Il y a le sommeil. Et bon là? Monsieur termine sa chapitre là aujourd'hui. On l'a fait vite là, Inch'Allah. Quatrième condition, car de l'un vient être séparé devant les autres quelque chose. Right. Alors quand on peut prendre quelque chose, pour moi, on peut donner un cadeau. Alors il vient se séparer depuis qu'on vient les autres quelque chose. On vient les autres quelque chose, pas qu'à mélanger là-dedans. Right. Ce qu'on peut donner là, il se séparer devant on les autres quelque chose. Qui exemple nous donne? Un exemple facile, facile, me donne. Moi, il y a un livre et une couverture là-dedans. Right? Moi, il y a un livre et il y a une couverture là-dedans. Moi, je dis, moi, tu connais, mais tu connais, moi, je donne toi un livre là, couverture là, non. Couverture là, tu retournes, non. Alors, pour Hiba, être valable, moi, je dis, bien capable, si il y a couverture là, moi, prends le livre, fais fort couverture là avec livre là, après, là, moi, prends le livre là, moi, donne le livre. Livre là et couverture là ensemble, comment vous pouvez donner? Je ne peux pas donner parce qu'il est mélangé avec mon les autres petites choses. Je vais donner couverture livre là. Je vais donner livre là en dedans. Cinquième condition, c'est important. Car de là, il ne faut pas être sous occupation du wahib. Parfois, il y a certains du monde, avant de la mort, je pensais, je disais, ce qui m'a aimé, je suis bien. Me donne ça mon madame. Parce que normalement, madame, après la mort, il y a un 6, un corps ou bien un 8e. Semaine passée, nous tiquons sa fraction là. Mais il y a des gens, ces enfants mauvais, tout ça là. Déjà, tu connais, moi, avant mon amour, là, avant ce amour, il donne ce madame. La case là, terrain là. Et il est là, il dit avec madame là, avec son épouse, mais quand on finit mort, il est là, toi, comment tu as envie de faire la partage, et je te donne mes enfants. Right? Parce qu'il a, quand il finit de madame là, ça quitte ce genre, il appartenir à madame là. Mais, alors, beaucoup de monde fait ça. Mais là, il y a une condition. Faire comment dire, moi, je peux donner mon madame, mon la case. Mais je peux rester dans sa la case là. Tout mon ban, saman, hein, tout ce qui appartenir à moi dans mon la case. Et moi, je dis, mon madame, tu connais, je peux donner toi sa la case là, cadeau. Mais là, il n'est pas valable, il n'est pas bon. Hiba pas valable. Ça va nous la main expliquer. Dourul Mouhtar, Bahrou Raïk, tout ça là va nous la main expliquer. Alors, la solution c'est ça. Si arrivé, moi j'ai envie de donner mon madame la case cadeau, pour après mon amour, il y a un problème. Mon madame une propriété, il a resté. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à mon madame, un hila qui va nous la main expliquer dans le livre. Vous connaissez un hila shari'a. Différents affaires, zakat, tout ça là. Ici, il y a un hi là, on l'a même expliqué, on prend grand ou la main, on check ça dans un livre, fait Dourul Mouhtar par exemple, alors on l'a même fin expliqué. Qui m'a besoin de faire, si moi j'ai quelque chose dans sa case là, dans mon la case, et moi j'ai dit, donne mon la case cadeau à mon madame, d'abord, moi j'ai dit à mon madame, qui tout moi j'ai quelque chose qui m'a aidé pour moi dans sa case là, tant qu'il est là, je ne peux pas donner mon madame cadeau. Mais je dis avec mon madame, sa banque qui te sauve ça, je peux donner toi ça comme un amende. Sa banque qui te sauve ça, je donne toi ça comme un amende. Pour t'y être là-bas, je dis à mon madame, sa banque qui te sauve ça, je lis, je ne le prends pas, je telle affaire, je peux donner toi ça comme un amende.
Ensuite, les lamotiens avec mon madame, mais astéa, comme tout mon kit chose qui me tient à mon fini kit ça que toi, comme un amandette, astéa, mon pé donne-toi la case là, en cadeau. Là, il va valable, mon madame, une fini vine propriétaire de la case là, astéa, si on veut, il va mettre moi dehors. Mais non, tu finis décider qu'il m'a continuer rester, mais peut paraître qu'il m'a pour moi avant, donc avant ma radoulement, tout ça là, je vais finir donner ça à mon madame cadeau. Ça, c'est Hila, inexpliqué là-bas. Si arrivé au papier trop comprend, après nous capables, éclaircir les plus, Inch'Allah. Nous continuons. Quatrième, pilier de Hiba. Hiba, il y a deux piliers. Hijab, Kuboul. Hijab, Kuboul. C'est-à-dire, Hijab, Kuboul, parce qu'il y a un Nika, ça va, yo, ben, no. Hijab, Kuboul, parce qu'il y a un Nika. Quand on fait un achat, vente aussi, il y a un Hijab, Kuboul. Là aussi, il y a un Hijab, Kuboul. Alors, hijab, offrir, cadeau pour, kouboul, mais on a accepté, on prend les. Ça, c'est kouboul. Alors, l'acceptation du hiba de l'apport de Mahroub Lahou, que ce soit en parole ou bien en action, l'est nécessaire afin que hiba est valable. Alors, fait comment j'aime vous faire de nous? Un cadeau, là, pour, ou pas l'accepter. Mais déjà là, hiba pas encore complété, ou pas encore une propriétaire de ça, quelque chose. Faut dire, ou accepter, il est là, ou une propriétaire de ça, quelque chose. Ensuite, une condition encore importante, ça beaucoup de monde pas connaît, d'après Madame Hanafi, Hiba l'y compléter pour prendre possession. Prendre possession. Alors, qui veut dire ça d'avoir un mot simple pour expliquer? Fait comment dire, moi, un terrain. Me dire, avec mon chifi, on peut donner toi ce terrain-là cadeau. Donc, je finis de dire oui, correct, accepter, cadeau. Mais je finis de ne pas prendre possession de ce terrain-là. Prendre possession de ce terrain-là, encore une fois, ce n'est pas vendre l'affaire papier si papier. Prendre possession veut dire, par exemple, il y a un terrain-là, et c'est une fille prend possession, c'est qu'il a envie, arranger la case, il a envie, c'est pas faire plantation, il fait. Faire kabza, en haut de sa kabza. Alors, prendre possession est important. Si arrivé, maintenant modifie un terrain. Modifie d'accord tout. Oui, on va accepter terrain là. Mais modifie pas de prendre possession de ce terrain là. Il pas de faire comme ça de ce terrain là. Et moi, mon fini mot. Modifie pas de prendre possession de ce terrain là. Moi, mon fini mot. Ce terrain là n'est pas pour appartenir à modifie. Ce terrain là est pour retourner comme moi, mon héritage. Qui peut être distribué pour mes mobans héritiers selon fraction mentionnée dans le Coran et Hadith. Vous pouvez comprendre que mon père dit là? Prends possession. Lorsqu'un masala est un ikhtilaf pour mes ban mazhab. Il y a un ikhtilaf pour mes ban mazhab, mais Hanafi dit besoin de prendre possession. Allô? Nous guettons un coup. Nous guettons un masala. Une masala depuis Fatawa Rizviya, volume 16, page 105. Vous pouvez lire page 26. Si arrivé Wahib fin d'un mahoub lahou en quelque chose comme Hiba, vous pouvez comprendre là. Wahib, mahoub lahou. Fin d'un lien quelque chose comme Hiba, mais celui-ci, c'est-à-dire mahoub lahou, pas fin prend possession complète de ça avant la mort du Wahib, dans ce cas, Hiba pour annuler et la chose mahou pour être considérée comme héritage du wahib qui sera un héritier pour hériter. Alors, il est très important qu'on peut donner, par exemple, aux enfants, on peut faire la partage d'un vivant. Sa terrain-là pour tels enfants, sa terrain-là pour tels enfants, donne libre possession complète de sa terrain-là. Kabza. Fais-lui faire kabza de sa terrain-là. Tant qu'il n'est pas fait kabza. Et on finit mot, sa terrain-là pas pour appartenir à sa tifi-là, malgré l'impossible qu'on finit à le faire papier noté. Mais d'après la loi islamique, il n'est pas une propriétaire de sa terrain-là. Et ça, masala là aussi, pas penser nous manro la ma hanafi, in kmajen, invente ça d'autres de la tête. Non, il y a un affaire qui va l'en rapporter depuis ma sahaba. Toujours dans le livre, Moussoua Fikhiya, pour gagner ça, ma affaire là. Et ben les autres livres. Alors, c'est important. Quand on peut donner, faire la portage de vivant, comprends-les, qu'on peut faire la portage de vivant,
fini de faire maintenant faire qabza l'eau là. Alors, il donne un enfant une la case, par exemple, les enfants là, ils viennent, ils guettent la case, ils finissent par prendre. Après, par exemple, ils vous disent oui ou car, restez, mauvais de nous permission pour rester ou rester. Et pas aucun problème. Mais pour les enfants là, ils finissent faire kabza l'eau là. Ils finissent prendre possession de ça. S'ils pas prendre possession de ça, alors, ça, quelque chose là, retourne comme l'héritage. Donc, acheter, ce problème qui est arrivé. Je donne aux enfants une petite chose, mais l'Ipan prend possession de ça, moi, je finis mort. Ça qui ne faisait pas appartenir à mes enfants, là, non. Il appartenait à tout ban, c'est riches. Mes enfants viennent dire non, mais tu connais pour moi ça. Ils viennent, ils restent là-dedans. Mais ils peuvent rester dans haram. Ils peuvent cook, hein. D'après la loi charia, pas faire ça. Ok. Alors, ils grave ça, ils grave. Et peut-être, aujourd'hui, à cause, on va dire tout, mais il y a beaucoup de musulmans qui peuvent vivre de haram. Peuvent vivre de haram. Et par cause, ça nous peut trouver ce qu'ils nous peut trouver. Un zimoun fin faire hiba de ce du bien à quiqu'un. Par exemple, ses enfants. Et il fin aussi transfère cela, nos enfants-là, selon la loi du pays. Mais mahoub, le mou pas fin prend possession le sa du bien là, pendant qu'il wahib ti vivant. Donc, après l'amour du wahib, du bien là, automatiquement retourne comme propriété du wahib, et lui peut être distribué parmi tout ce ban héritier, ainsi, seulement transfère un du bien le nom de quiqu'un, lui pas suffit pour faire celui-ci une propriétaire de ça, sans faire lui prendre possession pendant qu'il wahib vivant, fatawa nevamiya. Alors, sa fatwa-là, c'est un alim len, un grand mufti de len, ce livre, fatwa, on prend sa fatwa-là depuis là-bas. Donc, c'est juste pour montrer où qu'il n'arrivait pas un cas comme ça dans le passé. Ben, là, il demande à alim là, il finit de transférer, il finit de faire papier et tout, mais il n'est pas en prendre possession de ça. Alim là, il dit non, il n'est pas pour lire, c'est-à-dire. Il n'est pas pour lui. Il faut penser riche. En fait, ça, c'est autre chose. Qui va faire riche, va en venir. Je vais venir, je vais terrain là. Oui, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais après, je dis, non, mais tu connais. Je peux donner toi. Donne tes filles là. Ça, c'est une autre affaire. Il fait comment dire, c'est riche là, venez, je vais vous donner moi. Non. Reste de haram. Comme ça même, prochaine fatwa, nous expliquons. Si arrivé une dimoun, il donne ses enfants un cadeau. Un terrain même, par exemple, les enfants-là, ils finissent prendre possession tout, mais ils ne peuvent pas faire papier, ils ne peuvent pas faire papier dans rien. À ce terrain, demain, papa a un mot. Qui me dit? À cause, ils ne faire papier, d'après la loi pays, mais ce terrain-là, pas pour tu finis ça, mais c'est la portance là-dedans? Non. Vous pouvez comprendre qu'il est arrivé là-dedans. Un papa, de ce vivant, il finit de donner à ses enfants un terrain. Les enfants-là, ils allaient, ils finissent prendre possession de ce terrain-là. Les enfants-là, ils finissent même propriétaire, pas de finir même propriétaire de ce terrain-là. Mais papa-là, pas de faire papier, non, rien. Il n'y a pas de faire un transfert légal. Terrain-là, il y a encore le papa-là, ce nom, le papier. Mais d'après la loi charia, il finit même pour ses enfants-là. Mais à ce terme, si il y a un papier, moi, l'autre héritier, moi, par exemple, on venait me dire, mais il y a un papier, mais il y a un bout de ce terrain-là. Les bons, c'est qu'ils m'ont fait à là. Non. Ça aussi, ils m'ont fait coquin. Ils m'ont fait coquin. Parce qu'il a fait la loi charia, terrain infini à venir venir. Donc, papier, ils ont fait secondaire à ça. Parce que l'islam, c'est un dîme qui n'est appliqué depuis 1400 années du soleil, il applique pas tout. Bon, parce qu'il explique non. Si arrivé la chose mahoub, il est déjà en possession de mahoub le haut. Par exemple, une maman, il donne ce petit fille bijou pour servir. Maman là, il a bijou. Bijou là appartenir à maman là. Il n'est que petit fille là, mais tu connais. Bon, peut prête pas sa bijou là servir. Ou bien, papa, il donne ce garçon le taux pour rouler. Ce le taux. Quand le garçon là, il est propriétaire, il donne l'enfant là le taux pour rouler, garçon là. Après un peu de temps, maman là dit avec petit fille là, tu connais sa bijou qui me donne toi là, sa bijou qui me donne toi là, prends-les pour toi. Ou bien, papa là dit avec garçon là, tu connais ça, le taux qui me donne toi là, prends-les pour toi. Mais là, dans ce cas, ça quitte ce il est déjà sous possession de ses enfants-là. Right? Alors, comment maman l'a India ou bien papa l'a India, sa bichou-là ou bien sa voiture-là, il finit vine, ben, sa enfant-là, il finit propriétaire de ça quitte ce il est facile pour comprendre ça. Right? Parce qu'il quitte ce il est déjà sous maintenant sous possession.
On arrive vers la fin de nos leçons. Alhamdulillah. Sixième. Hiba faite à un enfant nabaligh. Un enfant nabaligh gagne le droit de donner un cadeau? Non. Un enfant nabaligh gagne le droit de recevoir un cadeau? Oui. Oui, l'enfant gagne le droit de recevoir un cadeau. Les enfants gagnent le droit de recevoir, ils n'ont pas le droit de donner. Mais c'est-à-dire recevoir un cadeau, il n'y a pas de masala. Masala. Une personne qui est wali d'un enfant, wali responsable, wali veut dire responsable, papa, dada, c'est pas un papa, dada. Alors, une personne qui est wali d'un enfant, quand il donne une petite chose comme hiba à ses enfants-là, alors le moment qui hijab est fait, l'enfant finit bien propriétaire de sa petite chose. Mais il y a là tout ce qui nous en prend. Il y a un hijab, il y a un kouboul, offrir, et après, acceptation, prendre kabza. Ça, il y a un peu autant qu'on peut faire. Right? Hiba, en général. Mais, si arrivé, ça même qui te fait ça, moi, j'ai envie de donner ça à mes enfants, là, à lire. À mes enfants, hein, pas une autre chose. Mes enfants n'ont pas à lire. Alors, le moment qui hijab est fait, l'enfant finit bien propriétaire de sa petite chose. Kaboul de la part de l'enfant n'est pas important. De plus, même si la chose m'a oublié en possession et occupation du wali, dans ce cas aussi, l'enfant peut finir bien propriétaire de ça. Exemple. Exemple pour simplifier ça, Inch'Allah. Exemple, si un papa donne un terrain qui appartient à lui, à ses enfants, comme cadeau. Alors, du moment qui papa l'a fini donner, les enfants-là finissent bien propriétaire de ce terrain-là. Même si cela est sous occupation du papa. T'as là, nous, j'en prends. Si vous pouvez occuper une petite chose, pas quand il redonne ça à un autre monde. Sauf si vous faites ça, il donne comme amanat. Mais, si papa peut donner ses propres enfants en abalir, donc, du moment où papa finit de donner, l'enfant finit bien propriétaire de ce terrain-là, même si cela est sous occupation du papa. À cause ça, ben, Rolama finit conseiller que quand un papa, ou bien un autre wali, c'est-à-dire si ben a papa, dada de ses enfants-là, faire hiba à l'enfant qui sous sa responsabilité, alors le meilleur pour faire ça en présence de deux témoins justes. Quand on peut faire hiba, faire-le en présence de deux témoins justes. Qui voilà, on peut donner ce terrain-là à ses enfants nabalikh-là. Les enfants-là, ils finissent une propriétaire de ce terrain-là. On peut faire-le en présence de deux témoins qui fait qui est arrivé demain au mot, ça détémoigne là pour témoigner qui ça terrain là, pas pour sa dimone qui papa là, right? C'est pour ses enfants là. Donc la loi l'héritage, pas pour appliquer l'eau là. Et donc maintenant, pas pour capable d'inclure cela dans l'héritage du papa. À noter qu'il fait un hiba en présence de deux témoins, il n'y a pas une condition pour hiba être valable. On n'a pas pensé qu'il faudrait faire en présence des témoins, là qui hiba valable. Non, même si vous pas faire hiba en présence de un témoin, du moment où donné, il finit bien pour lui. Mais qui fait une faire présence en témoin, en présence de deux témoins, c'est, comment dire, témoin là pour témoigner après. Et pas si ça pas juste pour les enfants. Ça, c'est un carreau qui est arrivé, pour reprendre dans le détail, peut-être ça fait confus ou là. Mais, n'importe qui a fait que vous pouvez faire comme hiba, vous pouvez faire la portage. Alors, si par exemple, on fait papier, notaire, tout ça, là, ok. On finit faire hiba d'après Sharia, et après, on a le code notaire, on finit faire terrain à vin pour les enfants, là, c'est pas qui. Tant mieux. Mais si vous pas faire ça, ben, papier légal, tout ça, là, faire-le en présence de mon témoin. N'est pas obligatoire. Si vous pas faire en présence de mon témoin, hiba valable. Mais, qui va arriver en présence de mon témoin quand on peut donner, ben, un cadeau, on peut faire la portage, ça va un témoin là, après, pour témoigner, après, ou la mort, maintenant, pour témoigner. Right. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, ça. Il est venu, il dit, garçon, là, il dit, mais, mon papa, tu finis de moi, ça, pour moi, ça. Qui peut être là? Ah, c'est nous, dans Maurice, nous venons un système cadré, la cour islamique, tout ça, là, ben, ça. Écoute, maintenant. Alors, fais-le en présence de témoins, et si fais-le, le papier, il est encore mieux, encore. Il n'est pas fait pendant Maradoul Mot. T'allais là, moi, tu finis, explique-moi ça. Hein, Maradoul Mot, en bref, à la Hazret. Ces deux conditions qui sont avancées et qui fait un lien important. Quand une personne fait hiba pendant son maradul maud,
qui fait nous dire qu'on peut faire la potasse avant Maradoul Maud ou finir faire, c'est parce que quand une personne fait Hiba pendant son Maradoul Maud, on le salit considéré comme Wassuya. Là, on ne peut pas comprendre qu'était ça Wassuya, parce qu'il nous peut encore expliquer. Semaine prochaine, une explication pour le Wassuya. Wassuya testament. Et ça aussi est important. Première leçon, moi, je finis comme à dire, j'ai une des petites choses qui, le testament fait, par exemple, déshérite un héritier dans le testament par gain droit. Right? Il y en a beaucoup de petites choses. Peut-être si on les lit là, on confuse là. Semaine prochaine, on peut éclaircir tout, Inch'Allah. Mais là, si on termine ce chapitre-là, alors quand une personne fait Hiba pendant son maradoul mort, ça lit comme Wassuya. Ainsi, s'il peut faire Hiba à un non-héritier dans cet état-là, alors il permet ici pour faire Hiba jusqu'à un tiers des biens du bien, sans permission de man héritier. Et cause permission, et cause un tiers, qui fait, on va comprendre ce qu'il y a là. Semaine prochaine, on va comprendre, Inch'Allah. Si arrivé, peut faire Hiba à un héritier pendant Maradoul Maud, alors ça peut dépendre de la permission de tout les autres héritiers après la mort du défunt. Alors, quand faire Hiba pendant Maradoul Maud, il est considéré comme Mosuya, référence à Radul Muhtar et Fatawa Mustafawiya. Fatawa Mustafawiya, vous connaissez qui s'en a ce livre Fatawa ça? Muftiye A'azam Hin, Ala Hazrat Sogason. Donc, Ala Hazrat ses élèves, Ala Hazrat ses enfants, infini, qui tout ça explique à son abonnement. Bayo et Berno. Donc, Sunnat Jamaat, c'est pas juste ça ce qui nous pensait, c'est quelque chose qui nous fait là. Ou bien, c'est une discussion inutile qui nous peut faire là, nous peut perdre le temps là-dedans. Nous, à nous, la main, fini, fait travail là. Semaine prochaine, nous peut éclaircir ça. Si arrive une personne fait Hiba pendant son maradoul mort, alors il est important qu'il m'ouvre ou prend possession de ça avant la mort du Wahib. Sinon, Hiba annulé. Si disons, un demande de son maradoul mort, il fait un Hiba. Et Hiba là, valable, d'après Sharia, hein, déjà, un non-héritier, et les moins qu'un tiers, par exemple. Mais ça, ça dit mon là, il vient finir aller prendre possession de ça qui te ça avant Wahib mort. Il est déjà dans maradoul mort, là, il est quand même n'importe quand. Avant l'imo, bien fait, il prend possession. Si pas une prend possession avant l'imo, ça quitte Sosa retourne comme propriété du Wahib qui peut être partagé parmi les héritiers. Voilà. Nous arrivons à la fin de nos explications. On ne connaît pas si, il y en a beaucoup qui ne pas trop clair, on connaît. La tête insoffée, non? La tête insoffée. Mais c'est moi, on finit connaît qui est Astéas, qui va une quitte nous avons besoin. Ferry de supervision devant Ulama. Et là, quelque chose qui m'ont dit où là est enseigné dans 4e et 5e l'année pour Alim. Mais pas exprès, m'ont dit où. Pour connaître quelque chose en Alim, comment Alim est en Alim, qui va quelque chose en fan. Et deuxième, Savan Masala là, il existait. Beaucoup de monde ne connaît même que Savan Masala existait. Et là, quelques questions, quelque chose qui pas trop comprendre, on va bien éclaircir encore. Non? Ah, c'est là. Question? Non? Allez. Inch'Allah, semaine prochaine, nous allons, nous vous causons concernant, au sujet. Il fait dans le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا فهم الحديث اللهم ارزقنا فهم علم الفرائض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته